mais je n'en dirai pas plus. Donc tout de suite, démarrons ce chapitre 6 d'histoire qui s'intéresse à l'affirmation de l'État dans le royaume de France. On va parler là de la France, alors que généralement la plupart des chapitres cette année s'intéressaient au moins à l'Europe, voire à une région encore plus importante. Là, on se focalise sur un royaume, le royaume de France, et on va étudier comment l'État se renforce pendant la période moderne, donc de 1492 jusqu'à la Révolution française, même si dans ce chapitre-là, on va s'arrêter au début du 18e siècle, parce que après, on aura un nouveau chapitre, le chapitre 8, qui s'intéressera justement au contexte pré-révolutionnaire. Donc nous allons quand même faire une histoire assez longue, qui s'étale sur 2 siècles et demi. Et on va voir finalement sous quelle forme le pouvoir royal s'est affirmé en France du 16e au 18e siècle. Alors la citation, j'ai l'habitude de vous mettre des citations longues, là je pense que j'ai fait fort, 3 mots, l'État, c'est moi. Une phrase attribuée à Louis XIV. Alors j'ai précisé qu'elle est prétendument prononcée parce qu'en fait, moi, bon, c'est une phrase que j'avais apprise quand j'étais à votre place en tant que lycéen, donc je me suis dit, ce sera une phrase choc pour faire mon accroche. Et en fait, il semblerait que Louis XIV n'ait jamais prononcé cette phrase, mais qu'elle a été utilisée pour montrer que vraiment, il considérait les parlementaires comme ses subalternes et que pour lui, il confondait l'État avec la monarchie et avec sa propre personne. Il y a une autre phrase qui, là, est attestée de Louis XIV, c'est sur son lit de mort. Il aurait dit « Je m'en vais, mais l'État demeure ». Donc c'est étonnant parce que ça semblerait être en opposition. Là, il dit « L'État, c'est moi », et sur le point de mourir, il dit « Je m'en vais, mais l'État demeure ». Et en fait, à titre personnel, je ne pense pas que ces deux phrases s'opposent. Parce que quand il dit « l'État, c'est moi », on peut l'entendre au sens que l'État, c'est ma personne, moi, Louis XIV, mais on peut aussi l'entendre dans le sens où l'État, c'est le roi. Et donc dire « je m'en vais, mais l'État demeure », c'est un peu comme dire « moi, ma personne s'en va, je décède, mais la royauté va se poursuivre, va se transmettre, et donc l'État demeurera à travers la royauté ». Vous savez cette célèbre phrase qui est prononcée à la mort de chaque souverain, qui dit « le roi est mort, vive le roi ». Alors pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit « le roi est mort, vive le roi » C'est pas « vive le roi qui vient de mourir », c'est « vive le nouveau roi ». C'est cette idée qu'à la mort d'un souverain, il n'y a pas de rupture. C'est directement son héritier qui devient à son tour le souverain, même s'il est mineur et qu'il ne peut pas être encore sacré et qu'il y a une période que l'on appelle la régence où quelqu'un d'autre exerce le pouvoir pour le souverain. Ça reste néanmoins le souverain légitime. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui et dans les prochains cours, c'est finalement comment l'État et la royauté tendent à se confondre. C'est-à-dire que l'État, c'est finalement l'ensemble des institutions qui gouvernent un pays. Et à l'époque médiévale, oui, il y avait le roi, mais il y avait aussi des seigneurs, il y avait beaucoup d'institutions qui gouvernaient le pays. Eh bien, à l'époque moderne, le roi va essayer de prendre son emprise sur toutes ces institutions, de faire en sorte que l'État se confonde dans la royauté, dans le royaume. Et c'est en plus une période où la France va connaître un certain nombre de règnes célèbres. François Ier, Henri IV, Louis XIV. Pour ne citer que les plus célèbres. Parfois, on parle, pour définir justement cet exercice du pouvoir à partir de Louis XIV, d'absolutisme, pour marquer le caractère absolu de cette monarchie, et nous nous interrogerons, peut-on véritablement parler d'absolutisme, ou est-ce que ce terme mérite d'être nuancé? Mais ça, on le verra au prochain cours. C'est aussi une période, la période moderne, où la France commence à avoir des frontières qui correspondent à ses frontières actuelles. Vous voyez en violet
les limites de la France à la mort de Louis XI, c'est-à-dire au tout début de l'époque moderne, et en rouge, les limites du royaume à la mort de Louis XIV, finalement, à peu de choses près. On peut dire que la France prend ses frontières actuelles. Et dernier point, le fait que le pouvoir se centralise à Paris. C'est-à-dire qu'à l'époque de François Ier, le roi est itinérant. Il se déplace d'un château à l'autre et sa cour se bouge. On est sur une cour itinérante, notamment le long des châteaux de la Loire comme Amboise, Blois ou Chambord. Après, avec Henri IV, le pouvoir se centralise à Paris. Et à partir de Louis XIV, on n'est pas loin de Paris, on garde Paris sous contrôle, mais on s'en méfie et donc du coup on s'en éloigne quelque peu pour éviter les révoltes. Et c'est là où les rois s'installent à Versailles, de Louis XIV à Louis XVI. Mais donc on a aussi une centralisation du pouvoir progressive qui se fait autour de Paris. Alors, habituellement, moi je mets souvent l'accent sur ce que l'on appelle l'histoire sociale. Je vous l'ai déjà dit. Faire de l'histoire, c'est s'intéresser à l'ensemble de ceux qui ont vécu avant nous. Donc du coup, s'intéresser uniquement aux souverains, c'est s'intéresser aux 0,01% de la population, et ce n'est pas véritablement faire de l'histoire globale. C'est pour cela que d'ailleurs, je trouve que Stéphane Bern et ses émissions, à chaque fois consacrées à tel roi, telle impératrice ou autre, pour moi, ont peu d'intérêt historique. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas les biographies de ces rois, mais c'est que ce qui est intéressant, c'est pas uniquement comment on a exercé le pouvoir, qui était à ces postes-là, mais comment vivait l'ensemble de la population. Selon moi, en tout cas, c'est ça le véritable intérêt de l'histoire. Un petit peu comme si aujourd'hui, pour parler de la façon dont était vécu le confinement ou l'épidémie, on ne s'intéressait qu'à la vie de Boris Johnson, Emmanuel Macron et Donald Trump. Ça aurait un intérêt quand même assez limité. Cependant, ce chapitre est le chapitre de l'année où on s'intéressera le plus à l'histoire politique, à l'histoire des souverains, parce que déjà, la thématique, c'est comment leur pouvoir s'est renforcé dans le royaume, donc c'est quand même important de parler d'eux. Et ensuite, parce que j'ai énormément, énormément d'anecdotes croustillantes à vous dire. Et là, vous allez voir que Stéphane Bern, il peut aller se rhabiller, franchement. Alors, la naissance de l'État moderne, 1515-1610, première partie, l'affirmation de l'État. Alors, mes trois sous-parties à chaque fois, elles seront très simples dans ce chapitre. Premièrement, comment l'État s'affirme dans cette période. Ensuite, quelles sont les menaces extérieures, quelle est l'expansion de cet État par rapport aux autres royaumes. Et enfin, quelle est la façon dont cet État lutte contre les divisions intérieures. Comment il s'affirme? Comment la monarchie devient de plus en plus puissante, comment l'État français s'impose par rapport aux autres nations, et comment on essaie de lutter contre ceux qui ne veulent pas rentrer dans le rang à l'intérieur du royaume. Donc tout d'abord, l'affirmation de l'État. Alors, première nouveauté, on s'intéresse là à la façon dont François Ier gouverne. Eh bien, cette nouveauté, c'est ça. C'est les conseils que l'on retrouve sous François Ier et Henri II, et qui seront encore plus nombreux sous Louis XIV, au détriment des grands officiers de la couronne. Alors, en quoi ça c'est important, finalement, ce passage de grands officiers à des conseils? Eh bien, les grands officiers, déjà, ils sont choisis dans la noblesse. Donc, ce sont des personnes puissantes, susceptibles de concurrencer le roi, et qui sont nommés à vie. Le roi, même s'il se dispute avec eux, ne peut pas les remplacer. Vous les faites tuer au pire, mais bon, ils sont là, inamovibles, donc une fois que vous le nommez, faut être sûr que c'est le bon, parce que vous allez l'avoir pour un certain nombre d'années. Ce qui fait qu'en plus l'État se réforme et se modernise difficilement si la même personne reste en poste pendant 30 ans. Alors que le conseil, ce sont des membres choisis par le roi. Ils peuvent être dans la noblesse, mais aussi d'un autre ordre, du tiers-état ou du clergé. Et ils sont là pour aider le roi à prendre la décision. Ils ont un rôle donc
de conseil, le roi les consulte mais ne leur doit rien et peut les remplacer à tout moment. De la même façon que les secrétaires d'État qui sont révocables. C'est-à-dire que si le roi ne veut plus travailler avec eux, eh bien il les remplace instantanément. Donc ça, c'est une grande nouveauté de l'époque moderne par rapport à l'époque médiévale. C'est le fait que le roi s'entoure d'un conseil des affaires, et notamment d'un chancelier, et que progressivement, la noblesse perd un peu de son influence. Donc le roi, à partir de François Ier, cherche à apparaître quand même comme étant détaché, voire supérieur, au-dessus de la noblesse. Alors, le premier document que nous allons voir est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Alors Villers-Cotterêts, vous voyez, c'est ici, au nord de Paris. Et c'était une des résidences princières dont disposait François Ier. Alors, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est vraiment un texte fondateur parce que il est déjà à l'origine de ce que l'on pourrait appeler l'état civil. Même si l'état civil n'existe qu'à partir de la Révolution française, l'état civil, c'est finalement le fait en mairie d'inscrire les naissances, les mariages et les décès. Et ce qui est très utile ensuite pour ceux qui veulent faire des recherches en généalogie ou pour les historiens qui veulent savoir combien il y avait d'habitants dans telle ville à telle époque. Eh bien, François Ier, à travers l'ordonnance de Villers-Cotterêts, oblige les prêtres à tenir à jour les registres paroissiaux. Et dans les registres paroissiaux, ils écrivent finalement l'année du décès, c'est ce qu'on voit dans les articles 50, que des sépultures des personnes tenant bénéfice sera fait registre en forme de preuve par les chapitres, collèges, monastères et cures, qui fera foi et pour la preuve du temps de la mort, duquel sera fait expressément mention dans ces registres. Et aussi les naissances. Alors là, c'est pas la naissance, mais le baptême. Il faut savoir qu'à l'époque moderne, on baptise l'enfant à peine quelques heures, maximum quelques jours, après sa naissance. Parce que dans la croyance catholique de cette époque, si un enfant décède avant d'être baptisé, il ne pourra pas accéder au paradis. D'où le fait que, finalement, il y a le registre des baptêmes et le registre des décès, on peut facilement évaluer la population d'un endroit. Donc ça, c'est la première chose. On tient les registres à jour. La deuxième chose, et ça a souvent été mal compris, d'ailleurs, vous voyez, c'est ce qu'ils mettent dans le sous-titre là, « Imposer le français », on dit que Villers-Cotterêts, c'est finalement le fait que le français, ce qu'on appelait la langue d'Oyle ou le François, devienne la langue du royaume. En fait, c'est faux. C'est sous Louis XIV. Louis XIV a fait énormément pour faire du français la langue de l'ensemble du royaume et a essayé de présenter justement Villers-Cotterêts comme l'ordonnance qu'il avait mise en place. Ce qui n'était pas le cas. On va lire le texte. Et parce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus dans ces arrêts, nous voulons dorénavant que tous les arrêts, registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langue maternelle français et non autrement. Alors au premier abord, là, on dit tiens, on passe du latin en français. Mais moi, c'est sur ça que je vais vous arrêter. En langage maternel, la langue de naissance, la langue parlée, alors certes, ça pouvait être le français dans l'Île-de-France, mais sinon, c'était dans les langues régionales, ce qu'on appelle les patois. Alors, regardez ici, vous avez finalement toutes les langues parlées à cette époque-là, le breton, le catalan, l'occitan avec ses différentes versions, le franco-provençal et les langues d'Oyle. Et donc, du coup, ce n'est pas le fait que les actes passent du latin au français, c'est le fait que les actes passent du latin
aux langues vernaculaires, aux langues parlées par la population. Donc ça, c'est important parce que même votre manuel n'est pas clair là-dessus. Donc voilà. Alors, ne pensons pas néanmoins que du jour au lendemain, le latin disparaît. En fait, ça dépend beaucoup du type d'écrit. Là, vous avez par exemple les ouvrages publiés en France au XVIe siècle. On voit que ce qui touche à la religion, au droit, à la médecine, est quand même très largement publié en latin. En revanche, pour les ouvrages qu'on pourrait qualifier un peu de moins nobles à cette époque-là, c'est-à-dire les œuvres de l'Antiquité, les œuvres non classiques, le théâtre, là par contre, on utilise majoritairement les langues vernaculaires. Donc, progressivement, à partir du XVIe siècle, le latin perd de son influence au profit des langues vernaculaires, mais c'est un phénomène qui se fait très progressivement. Et ce dont je suis en train de vous parler, ça vous fait probablement écho à ce que nous avons vu et que vous pouvez aller consulter dans les premières vidéos. C'est ce que nous avions vu au chapitre 5 qui s'intéressait à l'humanisme. Un des projets des humanistes, c'était aussi tout en connaissant les langues antiques, et pas seulement le latin, aussi le grec ou l'hébreu, de valoriser les langues vernaculaires. Rabelais, par exemple, n'écrivait pas en latin. J'aime bien ce texte parce que il montre de façon très concrète quand même que voilà, c'était pas le français qui était parlé partout. Là, nous sommes dans la Drôme. On voit un maître d'école qui sollicite un emploi pour être enseignant et aussi au passage pour son épouse. Le texte est vraiment très drôle. On va essayer de le lire et de le comprendre. Messieurs les consuls, j'entends que votre maître d'école en va, qui me fait vous écrire la présente pour vous faire entendre la volonté que j'aurai vous allez faire service pour l'instruction de votre jeunesse à bonnes mœurs, à lire en latin et en français, en toutes sortes de lettres. Donc là, voilà, il propose ses services. Et discrètement, hop, 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 si aussi vous voulez un petit peu de boulot pour ma femme, regardez, elle est formidable. Et ça montre quand même un petit peu la différence d'instruction qu'on réserve aux garçons et aux filles. Regardez la suite. Si vous avez des filles à instruire, à lire, écrire et à bonnes mœurs, principalement de la cordure, c'est-à-dire de la couture, j'ai une femme, laquelle je ferai venir, qu'elle est aussi propre. Alors, propre, c'est pas qu'elle sentait bon, la dame. Propre, c'est qu'elle est de bonne conduite, de bonne moralité. Bon, laquelle je ferai venir, qu'elle est aussi propre qu'il n'en est point en Dauphiné. Votre très humble et très obéissant serviteur, Raymond Chauzinck, maître d'école, le 25 septembre 1593. Voilà, donc on voit que finalement les langues populaires continuent à être parlées. Alors là, en plus, on est dans une langue qui n'est pas très très différente de la langue d'oïl, mais on voit que dans l'écriture, c'est quand même assez surprenant, même si on arrive finalement à le comprendre. Et c'est marrant finalement que dans ce texte, on précise que sa femme, elle sait faire de la couture et qu'elle pourra l'apprendre aux filles, alors que le latin, le français, tout ça, c'est plutôt pour les garçons. Là, on dit juste si vous avez des filles à instruire, à lire. Mais on précise pas les langues. Alors, autre chose, si on en revient, ce dernier article-là, c'est sur la réorganisation de la justice. Alors, bon, oui, on la réorganise parce qu'il faut savoir que jusque-là, sinon, il y avait toute forme de justice seigneuriale appliquée différemment, suivant des lois différentes dans les régions de France. Là, il commence à essayer un petit peu d'uniformiser tout ça. Ce texte est assez marrant aussi, là, l'article 163, parce qu'en gros, bon, on va le lire et on va essayer de comprendre. Si par la visitation des procès, la matière est trouvée sujette à torture ou question extraordinaire. Bon. En gros, si on a des doutes sur la fiabilité de ce que nous dit le bonhomme et qu'il semble pertinent de le torturer,
Nous voulons incontinent la sentence de ladite torture être prononcée au prisonnier pour être promptement exécuté s'il n'est appelant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de torturer quelqu'un sans le prévenir qu'il va être torturé. Sympa. Et si on le prévient qu'il va être torturé, ensuite il faut le torturer. Sauf s'il fait appel. Donc c'est assez marrant de voir que sur quelque chose aussi barbare que la torture, eh bien finalement on organise ça, on dit qu'il faut prévenir le prisonnier qu'il va être torturé, qu'il peut faire appel, si le personne appelle, bon on le torture quand même, enfin, bon, qui ne fait pas appel quand on lui dit qu'on va le torturer en même temps? Je sais pas, ah oh oui, torturez-moi, bon j'imagine, peut-être deux trois tordus, mais sinon oui, j'imagine que quand même la grande majorité des gens font appel. Et le dernier point, c'est le fait de réduire le pouvoir de l'Église dans le royaume, qui va se retrouver soumise à l'autorité royale. Ça, c'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Le gallicanisme, c'est, on a la racine du mot Gaul, c'est-à-dire le fait qu'en Gaul, c'est le roi qui décide. Et sur les affaires religieuses, finalement, c'est le roi de France qui gère l'essentiel de la vie de l'Église, plutôt que le pape. Et ça s'oppose à une autre doctrine politico-religieuse qui est l'ultramontanisme. Alors pourquoi ultramontanisme? C'est-à-dire ce qui se fait de l'autre côté des mondes, c'est-à-dire de l'autre côté des Alpes, là où réside le pape. Et l'ultramontanisme, c'est le fait qu'au contraire, le pouvoir temporel doit être soumis au pape, et que c'est au pape de décider. Alors, ça, bon, c'est validé par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, mais en fait, concrètement, depuis le concordat de Bologne, en 1516, il y a eu un accord entre le roi et le pape qui autorisait les rois de France à nommer les évêques. Alors qu'en règle générale, vous les avez là, les évêques, c'est ceux qui sont à la tête des diocèses, qui ont sous leur responsabilité les curés. Au-dessus des évêques, il n'y a que les archevêques, et puis le pape. Donc ce sont quand même des individus très puissants qui, en plus, quand on est évêque, on dispose de revenus liés à son diocèse qui sont très importants aussi. Et normalement, les évêques sont nommés par le pape, sauf en France. Alors le concordat de Bologne, du coup, autorise les rois de France à nommer les évêques, mais en fait, c'était déjà le cas depuis 1438, depuis un demi-siècle. Les rois de France avaient pris d'eux-mêmes cette autorisation. Et donc là, le pape ne fait que le reconnaître. Un concordat, c'est quand il y a un accord qui est signé entre le pape et un État. Donc voilà pour Villers-Cotterêts, qui marque finalement une centralisation du pouvoir et une suprématie du pouvoir royal sur tous les autres types de pouvoir. Alors maintenant, on va voir quelle est l'expansion finalement de ce royaume de France par rapport aux puissances extérieures. Alors, que ce soit François Ier, de 1515 à 1547, ou son fils Henri II, ces deux rois ont eu un règne marqué par une lutte quasi continue contre l'Empire des Habsbourg. L'Empire des Habsbourg, on en a déjà parlé précédemment, c'est finalement cet empire assez disparate, du fait d'héritages divers de Charles Quint, qui regroupe des territoires en actuelle Allemagne, en Belgique, Pays-Bas, au sud de l'Italie, en Espagne, puis même ensuite au Portugal. Comme les familles royales se mariaient entre elles à cette époque-là, eh bien Charles Quint a eu énormément de décès autour de lui et a pu hériter d'un grand nombre de territoires. Et donc là, vous le voyez, finalement, le royaume de France est entouré par les Habsbourg. Surtout que le Saint-Empire romain germanique, ici là en jaune clair, il a cette particularité que le délire l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et en 1519, il y a une élection où les deux candidats étaient François Ier et Charles Quint, et c'est Charles Quint qui a été élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc du coup, il possède un territoire colossal qui menace véritablement la France. Et la France va notamment essayer de lutter contre cette influence
en allant intervenir en Italie. C'est ce qu'on appelle les guerres d'Italie, 11 guerres au total, qui s'étendent de 1494 à 1559. Alors, ces guerres d'Italie, le bilan pour la France est plutôt négatif. Vous demanderez à vos parents, ils connaissent probablement cette date, Marignan, 1515. Alors pourquoi Marignan? Pourquoi on en parle? Ben, en fait, c'est juste parce que 1515, c'est facile à retenir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Marignan? En fait, pas grand-chose. Une grande victoire de François Ier, oui, super. C'est la première année de son règne, en plus, donc ça tombe bien. Mais moi, je préfère vous parler d'une autre bataille, qui est la bataille de Pavie, 10 ans plus tard, 1525. François Ier va sur le terrain, là, il assiège la ville. Au final, c'est 12 000 morts, blessés ou prisonniers du côté français, 500 morts du côté des Habsbourg, 12 500. Autant dire que pour une défaite, c'est plutôt une cuisante défaite, d'autant plus que François Ier est fait prisonnier. Il est fait prisonnier. Et il va faire verser une rançon considérable à Charles Quint pour être libéré, et en plus il va lui laisser deux de ses enfants en otage. Donc finalement, néanmoins, François Ier, dès qu'il le peut, reprend les hostilités, de même que son fils ensuite, Henri II, qui avait toutes les raisons aussi de détester les Habsbourg pour avoir été leur otage. Et finalement, ce n'est qu'en 1559 que un traité de paix de Cateau-Cambrésis met fin à cette situation de guerre continuelle. C'est une paix entre la France et les Habsbourg et aussi entre la France et l'Angleterre. C'est une sorte de paix européenne qui va assurer à peu près un siècle de paix en Europe. En tout cas entre les grandes puissances. Mais qui se solde par deux choses très importantes. Déjà la perte d'influence de la France sur l'Italie et la fin de la Renaissance italienne, c'est-à-dire que l'Italie passe sous domination des Habsbourg et n'est plus ce fleuron de la Renaissance où les princes rivalisaient de richesse et de mécénat pour montrer leur supériorité. Et surtout, outre la perte d'influence de la France sur l'Italie, un deuxième événement assez rocambolesque, qui est que finalement Henri II choisit, pour avoir une paix durable, de marier sa fille avec le fils de Charles Quint, qui était Philippe II. Un mariage. Alors qu'est-ce qu'on fait à cette époque-là quand on fait un mariage? Eh bien, quand on fait un super mariage, on fait un tournoi. Vous savez, là, le cheval, enfin avec la lance et tout ça. Bon, jusqu'ici, me direz-vous, tout va bien. Sauf que Henri II décide de participer au tournoi célébrant le mariage de sa fille. Et donc, il va jouter contre l'un de ses propres gardes. Et ce qui se passe, à peu de choses près, c'est ça. Et regardez dans l'extrait vidéo que je vais vous mettre, le petit regard de Littlefinger. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Là, pour le coup, Henri II, contrairement au jeune écuyer de John Arryn, mort trop bêtement lors d'un tournoi qu'il avait affronté Ser Gregor, donc là, ça c'est pour Game of Thrones, Henri II ne meurt pas sur le coup, lui. Mais il a quand même une sacrée écharde dans l'œil, et il va agoniser pendant 10 jours. Et là où ça devient drôle ou gore, je sais pas, vous choisirez, c'est qu'en fait, les médecins du roi, pour essayer de l'opérer au mieux, vont reproduire la blessure d'Henri II sur des condamnés à mort. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des bouts de lance dans l'œil de condamnés à mort, pas cool, pour essayer de les opérer sans les tuer, de manière à se faire un petit peu la main. Une fois qu'ils sont sur deux, ils tentent la même opération sur Henri II. Tout ça pour rien. C'est-à-dire qu'on a mutilé des condamnés à mort pour rien parce que de toute façon, Henri II finit quand même par mourir. Alors, du coup, ça c'est un événement très 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 important qui va nous faire notre transition. Parce que la mort d'Henri II, comme
elle a lieu justement au moment de la signature de la paix avec les Habsbourg, il y a un double événement qui se met en place en France. Le premier, c'est la régence. Le roi est mort, ses enfants sont trop petits pour régner, c'est donc leur mère, Catherine de Médicis en l'occurrence, qui va exercer la régence. Une régence, c'est toujours une période très instable dans la vie d'un royaume. Parce que comme il n'y a pas de roi pour diriger, souvent les régentes sont mises en cause par les nobles qui essaient de peser sur les affaires du royaume. Et la deuxième chose, c'est que du coup tous ces nobles, ces soldats-là, qui se battaient en Italie contre les Habsbourg, eh bien ils rentrent dans le royaume et ils ne savent pas quoi faire. Et donc du coup, cette démobilisation de la noblesse, elle va ajouter de la tension à l'intérieur d'un royaume qui est fragilisé du fait de sa situation de régence. Et donc du coup, finalement, à cette guerre extérieure succèdent des troubles intérieurs. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, notamment à travers les guerres de religion. Alors qu'est-ce que l'on entend par les guerres de religion? Durant la régence de Catherine Médicis, c'est-à-dire donc la veuve d'Henri II, et puis les courts règnes de ses deux premiers fils, que ce soit François II ou Charles IX, qui ont régné jeunes et vraiment très peu de temps, eh bien le pouvoir royal est contesté. Il est contesté par deux camps, la Ligue catholique, qui sont, on pourrait dire, des ultra-catholiques ou des extrémistes catholiques, qui voudraient qu'il n'y ait plus un seul protestant en France, et si possible tous les massacrer, et de l'autre côté, les Huguenots, qui est le nom qui est donné aux protestants français. Et finalement, la monarchie française, bien que catholique, est un petit peu prise en étau entre ces deux puissances, parce qu'elle ne souhaite pas l'élimination de tous les protestants, comme le voudrait la Ligue catholique, mais néanmoins, ça reste une monarchie qui est catholique et qui est accusée par les Huguenots de ne pas les soutenir. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les protestants représentent près de 20% de la population française. Donc ce n'est pas une petite minorité. Alors, il y a la paix de Saint-Germain, dans un premier temps, en 1570, qui accorde quelques places de sûreté aux protestants, on voit quatre villes, dont Montauban, pas loin d'ici, où sont finalement des villes où les protestants peuvent organiser leur propre défense, etc. Voilà, pour essayer de pacifier et comme un geste de bonne volonté. Mais cette paix-là, elle est extrêmement précaire et 2 ans plus tard, finalement, lors de la Saint-Barthélemy, lors des massacres de la Saint-Barthélemy, les affrontements reprennent. Alors pourquoi je dis les massacres? Parce que soit on parle du massacre de la Saint-Barthélemy pour parler du massacre qui a eu lieu à Paris, mais en fait, durant cette période-là, il y a eu tout un tas de massacres dans un grand nombre de villes, dont Gaillac et Albi, pas loin d'ici, où des protestants furent massacrés à l'occasion de la Saint-Barthélemy. Alors, cette période-là va s'étendre finalement jusqu'à la fin du XVIe siècle. Là, donc, vous avez une représentation du massacre de la Saint-Barthélemy, où on reconnaît dans son habit noir Catherine de Médicis. Bon, je ne vais pas plus détailler l'analyse de cette œuvre, puisqu'on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, mais c'est très important que vous ayez bien conscience que tous ces chapitres s'entremêlent, parce qu'ils ont lieu à peu près durant la même période. Et finalement, ça aboutit même en 1589 à l'assassinat d'Henri III, qui était accusé d'être trop conciliant vis-à-vis des protestants. Et du coup, il est assassiné par un moine extrémiste qui était le moine Jacques Clément. Alors cette histoire, elle est assez marrante. Elle est même encore plus marrante, je trouve, que la mort d'Henri II. De toute façon, les Henri ont généralement des morts assez extraordinaires, si bien qu'après Henri IV, ils ont arrêté de donner le nom. Ils se sont dit que ça porte vraiment trop la poisse. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que Henri III, en fait, a une petite particularité. C'est qu'il a été assassiné sur sa chaise percée. Oui, il était aux toilettes lorsqu'il s'est fait tuer par le moine Jacques Clément. Et ses dernières paroles auraient été « Ah, mon Dieu, méchant, tu m'as tué! »
Alors, je sais pas vous, mais moi, cette scène, ça me rappelle quand même un petit peu quelque chose. Enough. We'll go back to my chambers and speak with some dignity. I can't go back there. She's in there. Are you afraid of a dead horse? You shot me. Alors on voit dans cette scène que Tywin insiste pour retourner dans les appartements et ne veut pas discuter avec Tyrion, son fils, sur sa chaise percée. Ce n'est pas ce qui se voyait finalement à l'époque moderne. À l'époque moderne, il était très courant de recevoir, de parler sur sa chaise percée. Louis XIV aussi dictait ses lettres, recevait ses courtisans sur sa chaise percée. Voilà, peut-être que ça facilitait le transit. Vous imaginez, c'est un petit peu comme si moi je faisais mes cours comme ça. Prenez votre manuel, page 128, là, on va faire l'ordonnance de Villers-Cotterêts, si vous voulez bien. Hein? Ça vous dérange pas si je suis, hein, un petit peu occupé? Enfin, quoi qu'il en soit, en 1589, Henri III se fait assassiner par un moine extrémiste. Et alors là où j'ai envie de dire que ça devient assez drôle, c'est que finalement, le moine et son camp, qui est la Ligue catholique, l'élimine parce qu'il juge que la monarchie est trop proche des protestants. Et qui est-ce qui va succéder à Henri III? Eh bien, regardez. Là donc, on revient. Vous avez Henri II, roi de France. Vous savez, le gros malin qui se fait tuer au tournoi du mage de sa fille. Bon, lui succède François II, qui meurt en 1560. Entre-temps, il y avait un autre enfant, qui était Louis, qui meurt à l'âge de 1 an, donc déjà, ce sera pas lui. Excusez-moi pour le jeu de mots. Ensuite, Charles IX, mais en 1574, il meurt à son tour, sans enfant. Bon, ben c'est pas grave. Ah, zut! François, il meurt aussi, en 1584. Henri III aussi, et il n'a pas d'enfant, ni de frère. François est mort. Donc vous réalisez que quand même, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 enfants légitimes, bon, dont 3 meurent en très bas âge, hein. Mais quand même, il reste 7 enfants parvenus à l'âge adulte, eh bien, pas un seul garçon n'a de descendance. Ça fait un petit peu penser à ce que l'on peut voir au niveau des rois maudits, hein, si vous connaissez le livre ou la série qui en a été inspirée. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a plus de successeur pour cette famille que l'on appelle la dynastie des Valois. Et donc il y a un changement dynastique, puisque le successeur est choisi parmi finalement la sœur, enfin le frère de François Ier, qui a eu dans sa descendance le futur Henri IV. Et donc à partir de là, on parle de la famille des Bourbons. Henri IV de Bourbon, donc, et qui avait la particularité du coup d'être roi de Navarre, donc c'est un petit royaume au sud de la France, mais qui du coup va permettre pacifiquement d'associer la Navarre au royaume de France. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, si vous êtes roi du Tarn et que vous héritez du royaume de France, bon ben vous récupérez le royaume de France et puis vous incorporez le Tarn dedans. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Mais alors pourquoi je vous disais que c'était très drôle? Eh bien parce qu'Henri IV, il a une petite particularité, c'est qu'il est protestant. Voilà, donc bien joué les mecs. Vous avez fait assassiner un roi trop conciliant à l'égard des protestants pour que son lointain cousin protestant lui succède comme roi de France. Alors, Henri IV va finalement être assez pragmatique dans la politique qu'il va mettre en œuvre. C'est que finalement, il va pas insister, loin de là, sur son côté protestant.
Là, on l'a dans ses habits de protestant. On reconnaît l'habit noir, collerette blanche, la croix huguenote, qui est ça, la croix des protestants. Et finalement, même Henri IV va aller jusqu'à abjurer le protestantisme, se convertir au catholicisme. Il aurait dit, avec un peu de sarcasme, que Paris valait bien une messe. Donc c'était quelqu'un qui ne plaçait pas finalement l'aspect religieux au premier plan. Hein. Et s'il fallait finalement faire des accommodements pour exercer le pouvoir, il était tout prêt à le faire. Donc il se convertit au catholicisme. Mais il n'oublie pas pour autant ses racines protestantes, puisque même si là on le voit en habit de sacre avec la croix de l'Esprit-Saint des rois de France, et donc là on a les attributs d'un roi catholique, eh bien il n'oublie pas ses racines protestantes parce qu'il fait signer en 1798 l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance religieuse, qui met fin aux guerres de religion, aux persécutions que subissent les protestants depuis près d'un siècle, et leur offre énormément de places de sûreté, c'est-à-dire de villes qui vont être désormais contrôlées par les protestants, dont ils pourront avoir un certain nombre de gardes, et qui va un petit peu pacifier cette situation pour au moins un siècle. Vous voyez là l'évolution des places de sûreté, hein. Il n'y en avait que 4 en 1570. Ça augmente progressivement en 77, en 79, et regardez là toutes les places de sûreté en 1789, elles ne sont même pas toutes inscrites. Et il faut savoir que par exemple, Castres, à l'époque de l'édit de Nantes, était une ville protestante et était considérée comme une place de sûreté, et Henri IV avait autorisé Castres à se doter d'une milice de 60 soldats protestants qui étaient là finalement pour assurer la défense de la ville. Généralement, vous remarquez que les protestants vivent quand même plutôt dans la partie sud de la France. Donc voilà, si je résume ce chapitre, de François Ier à Henri IV, on a un pouvoir royal qui se renforce, un pouvoir royal qui essaye de s'affirmer face aux puissances étrangères, même si elle y arrive difficilement parce que l'Empire des Habsbourg est bien plus puissant. Et donc l'agrandissement territorial, il reste très modeste durant cette période. Mais à la fin de cette période, c'est quand même surtout une période qui est marquée par des affrontements religieux entre catholiques et protestants. Et il faut attendre l'avènement d'une nouvelle dynastie, la dynastie des Bourbons avec Henri IV, et la particularité d'avoir un prince né protestant converti au catholicisme sur le trône de France pour que un édit de tolérance durable soit mis en place et pour que les guerres de religion cessent. Les guerres de religion qui finalement avaient un double inconvénient. Le premier inconvénient, c'est que ça affaiblissait le royaume, c'était l'occasion d'un trop grand nombre de massacres. Mais le deuxième inconvénient, c'est pour la monarchie, c'est que la France était devenue ingouvernable. Et que ce soit au niveau de la Ligue ou au niveau des Huguenots, la monarchie n'arrivait pas à s'imposer. Or, avec Henri IV, Henri IV va quand même pouvoir compter sur le soutien des Huguenots, et il est parvenu à éliminer les plus extrémistes parmi les membres de la Ligue qui ont refusé de le reconnaître comme roi. Donc, à l'avènement de Henri IV, on peut considérer que les guerres de religion sont terminées et que la monarchie en France en sort raffermie. Ce qui n'était pas gagné parce que finalement cette succession de petits règnes à la fin de la dynastie des Valois avait plutôt déstabilisé les choses. Bon, eh bien, au prochain cours, nous étudierons du coup ce qu'il en était ensuite à la fin du règne d'Henri IV et de ses successeurs, c'est-à-dire Louis XIII, Louis XIV.